Coucou les amis, bienvenue sur mon channel de la Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque. Je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Verseau pour la période du 1er au 14 mai 2020. Merci beaucoup de vous abonner à mon channel. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo afin de réserver votre guidance, ok? Voyons voir ce qui se passe ici avec les Verseaux. Hi, Angels, please give me a reading for my Aquarius, please. Thank you so much. Hi, Angels, please give me a reading for my Aquarius. Thank you so much. Les Verseaux. Oui, c'est un parti d'entre vous. J'ai l'impression que vous avez ici l'intention de vous réconcilier avec une personne. Il est probable que vous êtes ici connecté à un chef cuisinier, pâtissier, boulanger. Je vois ici quelqu'un qui aime beaucoup faire la cuisine, quelqu'un qui aime beaucoup préparer. Si vous avez ici affaire à une femme, c'est que vous avez ici affaire à une femme de maison. On a ici quelqu'un qui est très occupé. On a ici quelqu'un qui est toujours en train d'arranger, nettoyer sa maison. On a ici quelqu'un qui est toujours en train de remplir son emploi du temps afin de ne pas s'ennuyer à la maison. Puis une autre partie d'entre vous, je vois aussi quelqu'un qui a horreur de faire les courses. On a ici quelqu'un qui aurait tellement aimé avoir, une servante, un serveur qui va aller chercher les trucs pour préparer à la maison. C'est peut-être aussi ici une personne qui a grandi dans une famille plutôt aisée. Et puis bon, peut-être aujourd'hui la personne est censée se débrouiller seule, surtout si la personne vit en Europe ou dans les pays étrangers. Et si c'est par exemple quelqu'un qui vient d'Afrique, c'est ici quelqu'un qui a toujours bien vécu, il y avait toujours peut-être des servantes et des gens autour d'elle pour faire tout ce qu'elle voulait. Mais pour cette partie, vous êtes ici dans une situation où j'ai l'impression que vous voulez ici vous réconcilier avec une personne comme ça. Mais vous ne savez pas réellement comment faire pour vous réconcilier avec cette personne. Parce qu'on a ici quelque chose que vous avez fait à cette personne et vous ne savez pas réellement comment faire pour lui demander pardon. On a ici une mauvaise action ou peut-être un comportement très aberrant que vous avez ici eu à l'égard d'une personne et vous voulez revenir vers cette personne, mais vous ne savez pas comment faire pour lui demander pardon, vous ne savez pas comment faire pour qu'elle puisse vous voir de la manière que vous avez vu la première fois. Oui, c'est un parti dont vous, il est probable que vous savez ici très bien qu'une personne est en colère contre vous. Vous savez très bien qu'une personne a une dent contre vous pour quelque chose que vous lui avez fait. Comment est-ce que je peux avoir ici de ta part une lueur d'espoir pour une réconciliation? Oui, c'est un parti dont j'ai même ici l'impression que vous voulez revenir vers votre partenaire comme un voleur. Peut-être même que vous lui avez dérobé quelque chose. Si c'est pas que vous lui avez dérobé quelque chose sur le plan, sur le plan matériel. Peut-être que vous l'avez dérobé de sa boîte à biscuits. Peut-être que vous avez eu un one-night stand avec elle. Ensuite, vous avez disparu. Peut-être que vous avez refusé de communiquer avec elle dans le passé. Ensuite, vous avez disparu. Mais aujourd'hui, vous reconnaissez vos torts. Aujourd'hui, vous reconnaissez que vous lui avez fait du mal, d'une manière ou d'une autre.
Et on est ici dans une situation où vous aimeriez bien vous excuser pour d'autres, les probables que vous avez ici affaire à quelqu'un qui est comme un ange sur terre. Mais je vois ici quelqu'un qui a des ailes. Ok, des ailes en or, invisibles à l'œil nu. Mais le plus difficile ici dans cette situation pour vous, c'est de savoir que vous êtes ici amoureux de cette femme. Je suis amoureux de toi, je veux être avec toi. Je suis amoureux de toi et je veux qu'on soit en couple. Pour d'autres, les probables que vous avez ici affaire à votre flamme jumelle, c'est peut-être ici une personne qui a du signe zodiac Cancer, Scorpion, Poisson ascendant. J'ai aussi l'impression que vous-même, vous êtes Sagittaire, vous êtes peut-être Sagittaire ascendant. Je veux te déclarer mon amour, je veux te déclarer ce que je ressens pour toi. Est-ce que tu es prête à m'écouter? Est-ce que tu es prête à m'entendre? Le président parti, on a ici une personne qui est beaucoup plus concentrée sur son travail qu'elle n'est concentrée sur vous. On a ici une personne qui est beaucoup plus concentrée sur ce qu'elle a à faire, qu'elle n'est concentrée sur vous. Et vous-même, en tant que tel, vous ne savez réellement même pas quoi lui dire. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un que vous observez peut-être sur Internet, les réseaux sociaux. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un peut-être qui est célèbre. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui aime beaucoup faire des recherches sur les sciences de la vie et de la terre. Je veux être avec toi, je veux qu'on se réconcilie, je veux que tu me prennes dans tes bras, je veux que tu me considères ici comme cet homme que je suis. Je veux tout apporter. C'est bien beau que tu veux ici tout m'apporter, mais peut-être j'en ai pas besoin. Peut-être j'en ai pas besoin. Donc oui, c'est une partie d'entre vous. Vous êtes donc ici dans une situation où vous essayez un tant soit peu de trouver ici que faire pour reconquérir le cœur de cette dame, pour reconquérir le cœur de votre autre. Vous avez envie qu'elle oublie le passé, vous avez envie qu'elle oublie toutes ces querelles-là que vous avez eues, qui ne vous ont causé que des soucis dans la relation. On a ici une personne qui essaye d'oublier certains désaccords que vous avez eus en se concentrant sur son travail, en se concentrant sur sa cuisine. On a même ici quelqu'un qui n'arrête pas de manger afin de combler le vide émotionnel qu'une rupture lui a causé. Donc, vous êtes en partie d'entre vous, si jamais vous, si jamais vous allez vous réconcilier ici avec votre partenaire, vous risquez d'être un peu surpris de voir qu'elle a pris un peu de poids. Elle a pris un peu de poids, ok? Voir qu'elle a pris un peu de poids. Mais bon, vous êtes toujours amoureux. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés.
Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. On va essayer de voir comment cette relation va se développer. Est-ce que vous et votre partenaire, vous allez finir par vous réconcilier? Question boule de com. La suite, le premier lien. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance, le deuxième. On a affaire ici au cancer, vierge et poisson. Bisous, bye.